Parmi les golfs de Seine-Saint-Denis, département d'Île-de-France, le parcours de René-sous-Bois, situé à 4 km des pentes de Paris, est un 9 trous par 33 sur 1724 mètres pour un slope de 121 sur les départs jaunes. Le tracé, qui a été dessiné par Olivier Brison, est lancé en 1988. Situé au cœur d'un parc d'une douzaine d'hectares, le parcours est considéré comme un golf urbain. Positionné à proximité immédiate du pôle d'activité de Nanteuil, c'est un écrin de verdure au milieu de l'urbanisation. Très technique, la plupart des départs se font en aveugle. Sur son départ en hauteur, le 1 avec ses 384 mètres et handicap 4 est le seul par 5 du tracé. Une légère courbe à droite puis à gauche masque le green. La première partie du fairway est en dévers sur la droite et verse vers les broussailles. Dans cette continuité, la phase intermédiaire, plutôt réduite en longueur et en largeur, demande pas mal de précision. La partie finale, vers le green, plus facile, assure un peu. Le seul obstacle d'eau du tracé se trouve sur le 3 par 4 de 249 mètres et handicap 6. Cette zone à pénalité, en jeu, quel que soit le coup, intimide un peu. Sur le trou 9, tout en descente, par 4 de 176 mètres, handicap 8, on perçoit d'innombrables immeubles qui dominent la végétation. Sur l'aire de départ, il est conseillé de bien suivre la trajectoire de la balle. Puis, après une cinquantaine de mètres de marche, votre regard plonge sur un fairway parsemé de nombreux arbres. Là, instinctivement, nous pourrons nous diriger vers l'emplacement de la chute de notre Inésis ou Provéen. Pour atteindre le green, il faudra probablement survoler un arbre ou faire une balle basse. Concernant la partie training, un practice d'environ 35 postes, dont une quinzaine couverts et un putting green, accompagne l'offre.